croyais qu'on allait manger un burger, moi. Ah, il y en a bien là, parce que... Salam alaikum. Eh oui. Ça va? La baisse? La baisse. Hamza? Il va nous aider pour tu sais quoi. Bienvenue. Bon, écoute, tu vas avoir faim, là. Installe-toi, tu prends la table qui te plaît, d'accord? T'as la maison ici. Viens à manger. Tu sais chez qui tu m'as amené, là? Moi, je t'ai amené chez le meilleur ami de ton père. De quoi tu me parles? C'est à cause de lui que mon père est mort? Non, c'est à cause de son engagement contre les corrompus au pouvoir qu'il est mort. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on venait ici? Si je te l'avais dit, tu serais venu? Vas-y. Jamel! Jamel! Non, 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 non. Tu m'appelles pas Jamel. Hé! Hey. C'est mon père qui m'appelait Jamel. Tu te calmes. Calme-toi. Comme tu as grandi. Toi, t'as vieilli. Mohamed Al-Kateb, l'écrivain. Ils le connaissent, son surnom. C'est comment on t'appelle au bled? Jamel. Mohamed Al-Kateb, Jamel. Le menteur. Respecte un peu. C'est le pouvoir militaire qui me l'a donné. Et je n'ai jamais menti, surtout pas à ceux qui ont combattu avec moi. Si ton père était là, il en témoignerait. Sauf que mon père, il est mort en Algérie. Toi, t'es ici bien vivant. Il y a une chose que t'as l'air de pas savoir. Tu me regardes? C'est que j'ai prévenu ton père que les autorités allaient nous arrêter. Et il a pris le risque de venir te voir jouer au foot et te serrer dans ses bras une dernière fois avant de s'enfuir. Écoute, Yaron. Écoute. Tu veux venger sa mort et reconstruire l'Algérie? Mon fils Hamza a mon accord pour vous aider. Alors fais-moi confiance. Maintenant qu'on est d'accord, Jamel Belmadi, fils de Mouloud, mon frère, viens avec moi. Viens. Viens. Viens, 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 va manger. Parle-moi un peu de mon pays que je ne reverrai plus jamais. Ouais, alors, j'ai faim. Là.